La question est de savoir si, face aux enjeux climatiques aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le droit? Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'il faut continuer à faire de la pub, de la com et du marketing pour vendre plus? J'adore cet événement parce que c'est un événement d'abord qui est organisé aux petits oignons et qui est à taille humaine. On a une qualité d'écoute qui est très bonne. Moi je suis disponible, les gens que je vois sont disponibles et ça permet des échanges très fructueux. C'est une opportunité pour moi, annonceur, de rencontrer tous les acteurs qui font l'innovation aujourd'hui et de faire de la veille. Pour moi, le sujet qui est incontournable, c'est l'engagement client. Et on voit que l'évolution du marché, des technologies, fait qu'on va avoir de plus en plus besoin de raconter une histoire, de mettre en avant des valeurs pour être capable d'aller chercher nos clients et de les fidéliser. Le sujet incontournable de cette année, c'est l'éthique. On a aujourd'hui rencontré des gens qui étaient là pour nous aider, pour nous accompagner sur ces sujets, donner des solutions concrètes à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est super intéressant. Pour être une marque éthique, il faut être sincère, authentique et faire preuve de beaucoup de transparence pour dire en quoi on est bon, mais aussi en quoi on est moins bon. Là, on pourrait encore s'améliorer, etc. C'est la manière la plus honnête de parler aux consommateurs. C'est vraiment un moment où on peut échanger de manière moins formelle avec aussi bien des annonceurs que éventuellement des potentiels partenaires. Échanger avec nos pairs, d'échanger sur des bonnes pratiques, même si on est sur des verticales différentes. Et moi, concrètement, ça m'a permis de débloquer certaines situations que je pouvais rencontrer dans mon quotidien et d'avoir un autre écho par rapport à des problématiques business qu'on peut rencontrer. Le cadre s'y prête, l'organisation s'y prête, avec la bonne balance de professionnel et de convivialité. Get up on your feet, this is a shakedown.